Et salut à tous, c'est Trunkan, on se retrouve à nouveau dans Batman Arkham Knight pour la Batman Arkham Saga et je vais sortir par agri. J'espère que vous allez bien. Moi, bon, ça va. Tirer en plein dans les abdos quand même. Il est très très malin. Hein. Tu te débarrasseras pas de moi. Ça suffit. Juste toi et moi. Bah viens, allez. Allez. J'ai pas le temps. Je suis désolé, mais j'ai pas le temps. Ah, j'ai été bloqué par le décor, c'est dégueulasse. Calmez-vous. J'ai pas le temps, je vous ai dit. Voilà, voilà. D'accord, on se calme, on se calme, on se calme. On se calme. Donc du coup j'ai appris un peu l'armure classique hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Re-Joker. Il croit qu'on est coincé ici. Quel genre de futur super méchant croit pouvoir arrêter Batman? Du coup on a un petit éclat. Petit impact de balle. Alors. Voilà. L'heure est venue de sauver Oracle et de faire payer le chevalier d'Arkham. Oh oui. Je vois que vous êtes de retour dans la voiture. Poursuis le chevalier. Il est là, dans les tunnels. Espérons que Mademoiselle Gordon est avec lui. Espérons. Okay.
Oui, sors-moi de la route, t'as raison. Essaye au moins. Boum. Encore. Voilà, ça c'est fait. Transport blindé HS, je répète, transport blindé HS. Alors, à toutes les unités de soutien, repli immédiat. À toutes les unités. Le conducteur n'est pas le chevalier d'Arkham. Mais il saura où je peux le trouver. Monsieur. Qu'est-ce que ça te fait de t'être trompé de cible? Où est le chevalier d'Arkham? Tu ne le trouveras pas. Tu crois que je ne savais pas que tu essayais de trouver la source de mes transmissions? Retire le son, Batman. Je sais comment tu penses. Ce qui veut dire que je sais comment te battre. Génial. Où est-il? Avec Barbara Gordon. Elle est à nous maintenant. Tu imagines ce que le chevalier va lui faire vivre? Bon, il y a la mare. Mais qu'est-ce que tu fais? Quoi? Non, fais pas ça. Vous avez vu, ça fait des chauves-souris sur les roues et tout. C'est bon? Tu vas parler? Où est-il? Il est allé voir le petit gros, le pingouin. C'est lui qui fournit les planques pour l'attaque. Le chevalier est allé le payer pour ses services. C'est tout. C'est tout ce que je sais. Alors? Tu te souviens d'autre chose? Il utilise une société de réfrigération comme couverture. Les camions distribuent des armes dans toute la ville. Le nom de la société? North. North Refrigeration. Merci. Donc. Alfred, j'ai besoin de tout ce que vous pourrez trouver sur North Refrigeration. Très bien. Puis-je vous demander pourquoi? C'est le pingouin qui fournit le chevalier d'Arkham. Et pour l'heure, il est ma meilleure piste pour trouver Barbara. Je regarde tout de suite, monsieur. Ah, je vois que monsieur Fox essaie de vous contacter. Parfait. Lucius. Monsieur Wayne, votre nouvelle amélioration pour la Batmobile est fin prête. La Batwing est en route vers Grand Avenue. Ok, bon, on va y aller. Monsieur, j'ai découvert que le chevalier d'Arkham utilisait un programme pour émettre à partir de votre gantelet. Rassurez-vous, toutes nos communications sont bien cryptées. Cool. Dois-je le bloquer pour éviter toute intrusion future? Gardez le canal ouvert, Alfred. Plus il parle, plus j'en apprends sur vous. Très bien. Par contre, toi. C'est l'heure de mourir. Donc. Mystère, parle tant que tu en es capable. Je vais te raconter tout ce que je sais. Ça ira. C'est coup de coude, quoi. C'est lui, fuyez. Ah, j'étais pas sur le pixel. Thank you.
Chef, nous pourchassons un avion qui fonce vers Grande Avenue. Ce truc vient de virer à 180 degrés avec une pointe à 12G. Je connais personne capable de faire ça. Moi si. Qu'est-ce que c'est que partir en guerre ? Est-ce qu'on avait lancé une amélioration pour la base mobile ? Le virus. Et ça, c'est bien. Par contre, ça vide tout. Blindage du drone Mamba est touché. Voilà. Diamond Bat, je commence à comprendre, pas vrai? Mais cette fois, tu ne feras pas le poids. Batman est parti, je l'ai perdu. Et puis après, ils sont détruits, évidemment. Ils s'autodétruisent. Monsieur, j'ai fait des recherches sur North Refrigeration, ah bon, comme vous l'avez demandé. On dirait que Maître Grayson enquête sur le sujet depuis un moment. Ah, Dick, parfait. Bien. Dites-lui de m'envoyer ce qu'il a. Il insiste pour vous voir en personne, monsieur. Il est parti de Bloodhaven avec les informations requises. Il vous retrouvera sur le toit qui surplombe la gare maritime de Ranlag. Merci, Alfred. En attendant, monsieur, si l'on en croit les analyses, le chevalier d'Arkham a posté ses lieutenants dans les transports blindés répartis à travers la ville. Nous avons l'un de ses véhicules en ligne de mire. Si vous voulez intervenir pour l'éliminer de l'échiquier... Ok, bon. Donc voilà, au fur et à mesure, on débloque les missions. Hein. On va aller chercher Nightwing. Voyons ce qu'a Nightwing sur North Refrigeration. Parce que forcément, si on est dans un univers où Dick Grayson et Robin, ça veut dire que... Team Drake et Robin, pardon. Ça veut dire que Dick Grayson est Nightwing. Forcément. Ah, j'étais pas sur le bon pixel. Alors, encore en train de rôder sur les toits? Tu n'aurais pas dû venir. Pas ce soir. Tu plaisantes ou quoi? Quand j'ai su pour Barbara... North Refrigeration. Dis-moi ce que tu sais. Le pingouin fait sortir des armes de Bloodhaven dans des camions frigo. Je pense qu'il stocke les armes ici à Gotham, mais la question est où? Cobblepot est notre meilleure piste pour Barbara. Il faut que je trouve cette planque d'armes. Si je peux intercepter un camion, il me mènera droit à eux. Hein. Si seulement tu connaissais quelqu'un qui a noté leur trajet. Quoi? Tu pensais quand même pas que je viendrais là sans avoir un plan? Je m'en occupe. Il faut que tu regagnes Bloodhaven. Allez, Bruce. Laisse-moi t'aider. Tu peux pas tout faire tout seul. C'est trop dangereux. Je ne veux pas perdre qui que ce soit d'autre. Bloodhaven te réclame. D'accord. J'ai compris le message. Si tu veux garder un œil sur ce camion, utilise ça. Tu as sous les yeux un prototype dernier cri. Le vieux Fox s'est surpassé sur ce coup. À bientôt, Bruce. Je peux désactiver leurs armes grâce à la... Eh oui, le brouilleur. Et là, il est pété, le brouilleur, j'en maintenant. J'en ai droit qu'à 3 tirs. Je dois bien choisir mes cibles. L'arme est neutralisée. Si j'utilise à nouveau le brouilleur, elle explosera au tir suivant, assommant l'utilisateur et renversant tout le monde à proximité. Tu es mon frère, et toi seul. Quelle tristesse. Des malfrats à la petite chemin. Ça y est, j'ai saboté l'équipement. Je n'ai plus qu'à me présenter. Il est où, le Joker? Bon, alors c'est pas tout ça. Ok, je commence. Je me rappelle quand le pingouin nous a recruté. C'est pas fan, c'est pas fan. Oh.
Voilà. Tout va bien. Voyons. Un camion rempli d'armes et d'explosifs. Je peux utiliser la fonction pistage du brouilleur pour marquer le véhicule et le suivre dans Gotham. Bien. Je n'ai plus qu'à les motiver un peu pour qu'ils me mènent à leur repère. Bonjour, c'est vous qui avez commandé la pizza 3 chauves-souris ? La subtilité marche à tous les coups. En restant sur les toits, je pourrais les suivre jusqu'au dépôt d'armes caché du pingouin. Le marquage du véhicule reste effectif, et ce, même à travers les bâtiments. Mais il faut que je garde la cible en vue et à portée. Qu'est-ce que tu fais ? T'essayes de nous tuer ? C'est pas fun. Bah oui. Ce serait ballot de vendre à la mèche. Tu croyais que le pingouin avait dit que ce serait facile ? J'ai entendu personne parler de Batman, moi ! Ok. Si on prend la Batmobile, ils nous repèrent, hein, donc on est obligé de les suivre par les toits. Enfin, par les airs en tout cas. Ah, vous voyez, c'est ça les trucs à péter. Ces petits insignes là. Petits emblèmes. Personne nous a suivis. Batman a essayé, mais on lui a fait peur. Ouais, c'est ça. Maniez-vous le cul, le boss veut nous parler. Et il aime pas attendre. Comment ça se fait qu'on soit coincé ici pendant que le boss fait sa réunion ? Il veut que l'endroit soit protégé. De qui ? De Batman ? C'est plus Double Face qui m'inquiète. J'y crois pas à ces conneries. Le toit est lourdement protégé. Ça doit être le repère du pingouin. En ce qui me concerne, j'ai prévu de rester aussi loin de l'épouvantail que possible. Je te suggère d'en faire autant. Qu'est-ce qui s'est fait au visage d'après toi ? Qui ? L'épouvantail ? Mais bordel, tu m'écoutes quand je parle ou pas ? Ah ouais, excuse, je réfléchissais. À quoi ? Un moyen de me tirer d'ici. Regarde un peu, Gotham, la pire ville de toute l'Amérique. C'est pas si mal. Oh arrête, regarde un peu. Tu vois des trucs à sauver là ? Tout va bien. Surveille-toi, ouais, passionnant. Merci, boss. Hop. Et je vais lui en coller une dans la tête. Paris ? Ouh ! Le toit était lourdement gardé. Il s'agit sûrement du point d'entrée. Allez, fais quelque chose. Tu me fais un peu honte, là. Ça, c'est pour moi. On fait quoi ? Directement dans le poche. Ne t'en fais pas. Ouais, on l'a fait. Je vous l'avais bien dit. Ouais, ça va être génial. Il ne sait même pas que tu es là. Vas-y. Écoutez, les jolis. Bonjour, Cobblepot. Chevalier d'Arkham, Barbara Gordon, dis-moi où ils sont. Alors c'est elle, la captive.
la petite fille chérie des commissaires. Tu te tais. J'ai pas fini. Je vais briser tous les os de ton corps, Cobblepot. Ils sont tellement les miquettes. Simon Stagg. Je crois qu'il dirige une société pharmaceutique ou un truc comme ça. Je te préviens, ne me mens pas. Non, je te jure, on dit qu'il va quitter Gotham. C'est dirigeable au-dessus de la West River, ils sont à lui. Relâche-le ! On va tirer, Batman ! Aïe. Ça ne servira à rien. L'épouvantail va te détruire. Tu es fini, Batman. Tenez-le bien, les mecs. J'ai bien bossé mon crochet. Admirez ça. Je vais lui démonter la tête d'un seul... C'est comme ça que tu gères la situation ? T'en fais pas, c'est la moindre des choses. Ça va chier ! Easy. Je t'avais dit que j'allais bosser dans un cirque, Batman. Aucune de ces armes ne doit arriver dans les rues. Cet entrepôt doit être détruit. Bruce, tu dois me laisser t'aider. J'avais les choses en main. Je te l'ai dit, j'ai besoin de toi, Bloodhaven. L'épouvantail, ces armes, ça concerne aussi Bloodhaven. C'est ici que je dois être pour aider. Écoute, avec la quantité d'armes que le pingouin fait circuler dans la ville, il y a forcément autre chose. Il doit avoir d'autres dépôts cachés dans la ville. Cherche des indices ici qui pourraient nous permettre de localiser d'autres camions réfrigérés du pingouin. Le petit cul de Batman, quand même. Espèce de minard. Faudrait bien en avoir un comme ça. Je vais régler son compte. Non, mais franchement, je parle même pas du monocle. Il croit sûrement que ça lui donne l'air plus menaçant. Bah, c'est plus un culot de bouteille, mais... Taré. Ferme pas là-dedans. Je ferai ce que tu voudras. T'as besoin de faire une machine, je m'en occupe. Si je vais dans le train, pas de problème. Je voudrais pas être à la place de ce type. Voilà. Alors, Dick. Je vais chercher Barbara. Je te contacterai dès que j'aurai repéré un des camions du pingouin. Parfait. Merci, Dick. J'apprécie ton aide. Ça sert à ça, les amis, Bruce. Et quoi ? Alfred, trouvez tout ce que vous pouvez sur Simon Stagg. Le mania de l'industrie pharmaceutique ? Exactement. Bien, monsieur. Oh. Voyons un peu comment ça se présente. Dis donc, c'est une bonne vieille embuscade. Oh, oh, oh. Attends ici, Batou. Laisse donc ton cher oncle Joe se charger de ces imbéciles. Je vais y arriver, même si ça fait longtemps. Je suis peut-être un peu rouillé. Prépare-toi. C'est parti. Tirez. Me
leur volonté, allez! Bon, c'est pas tout ça. Il faut que je trouve une bonne position de tir pour déjouer l'embuscade de la milice. Est-ce qu'on l'a eu? Je sais pas, je crois que oui. Va vérifier, trouve le corps. Non, vas-y toi. T'as dit que tu l'avais touché. Non, je me suis trompé. C'est toi qui l'as eu. T'es un sniper et moi. J'ai plutôt du genre qu'on va rapprocher. Depuis quand? Depuis maintenant. Ils ont tellement les miquettes. C'est pas les mecs, j'arrive. J'arrive. Les tourelles. Voilà. Personnellement, j'aurais utilisé de vraies balles. Alfred, qu'est-ce qu'on sait sur Simon Stagg? Voyons. PDG de Stagg Enterprise, une société spécialisée en recherche et développement médical de pointe. Très bien. Je suis en route pour les dirigeables de Stagg. L'épouvantail s'y rendait et c'est la seule piste qu'on ait pour retrouver Barbara. L'analyse des menaces indique que Founders Island est couverte des lance-missiles et des radars longue portée de la milice. La Batmobile sera détectée et prise pour cible dès que vous aurez franchi le pont. Ne vous en faites pas, Alfred. Je vais y aller à pied et rester sur les toits. Essayez de me trouver les plans de ces dirigeables. Tout de suite. Bonne chance, monsieur. La base. Ok, sauf que nous, on va se quitter là et on se retrouvera donc la prochaine fois pour continuer et pour aller sur les dirigeables, parce que c'est rigolo les dirigeables. Donc moi, je vous fais des bisous. Des battes. Bisous.